En ce troisième jour de la première semaine, nous allons voir le psaume 30. Le psaume 30 est généralement considéré comme un poème de reconnaissance ou de louange. Le psalmiste est reconnaissant parce que le Seigneur l'a arraché à la maladie qui menaçait sa vie même. Mais si la délivrance éveille l'action de grâce, elle fait aussi jaillir des lèvres du croyant la louange. La structure de ce psaume s'articule autour de cette double perspective. Le poème commence par une déclaration générale de louange et se poursuit par une reprise détaillée de ce thème. Ce psaume met en avant ce qui caractérise un fidèle, c'est-à-dire l'impression de solidité, d'assurance, de vitalité et de permanence. Mais cette assurance, le psalmiste ne la puise pas en lui-même. Cette solidité, elle n'est pas inhérente au fidèle. Elle est grâce de Dieu, c'est-à-dire faveur de Dieu. Ce mot « grâce » désigne l'amour spécial que Dieu porte à ses fidèles. Ce sont les bénédictions qui l'accompagnent, la santé, le bien-être, la paix, la sécurité, la prospérité et surtout cette communion qui donne vie, plénitude et profondeur. Mais cette faveur divine, cette grâce céleste appelle de la part du fidèle persévérance. Sans la fidélité et l'obéissance active du croyant, Dieu cache sa face et tout l'acquis s'évanouit. Comme il est vulnérable, cet homme, comme il est fragile, ce fidèle qui croit pouvoir se passer de Dieu. Il est comme une ombre qui s'évanouit dans la nuit. Il n'a plus ni qualité de temps, ni durée, mais fragmentation. Dans sa folie, l'homme cherche en fait à se détruire, mais Dieu ne désire pas anéantir l'homme, le fidèle. Ainsi, le psalmiste, objet de la faveur de Dieu, est rétabli dans sa vocation de fidèle quand il cherche le secours de l'Éternel, reconnaissant ses fautes. Il loue Dieu et de tout son être sur la terre des vivants. Il raconte la vérité de Dieu, ses hauts faits et sa fidélité aux hommes de son temps et aux générations futures. Puisqu'aujourd'hui encore, nous entendons son témoignage. Mais le psalmiste ne se contente pas de raconter son témoignage. Il nous prend partie
et il nous interpelle. L'entendons-nous? Prions. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous essayons de tout faire par nous-mêmes, pensant que nous sommes forts et puissants. Mais à chaque fois, tu nous rappelles qu'il nous faut marcher et vivre par toi. Que nous éclations en louanges devant ta majesté et que nous nous soumettions à ta sainte volonté. Par ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Piste de réflexion pour aujourd'hui. Premièrement, êtes-vous disposé à vous abandonner totalement à Dieu dans votre vie quotidienne? Quels sont les obstacles? Deuxièmement, notez durant cette journée les choses pour lesquelles vous voudriez remercier Dieu, qu'elles soient petites ou grandes.